Et ça va où quand on parle là, ça va où? Mon Périgord, toi le pays de mon enfance, je t'aime mon Périgord. La suite je la connais pas, nananana. Toi le berceau de mon enfance, et etc, etc. Mais c'est mon Périgord, voilà. Donc, bonjour à tous, déjà bienvenue à Montpazier, donc dans cette bastide qui est anglaise. Donc tout d'abord, une bastide, c'est la création d'une ville nouvelle qui a été commandée soit par les rois de France, soit par les rois d'Angleterre, ou bien tout simplement par des seigneurs locaux. Donc la place où nous sommes donc, et se situe toujours au centre, dans une bastide, ou pratiquement au centre. Hein. Donc l'habitation principale se situait à l'étage. Et au rez-de-chaussée, c'était donc l'activité commerçante. Hein. Ainsi, les commerçants étaient à l'abri du soleil, de la pluie hein, ou du vent. Hein. C'est un des plus beaux villages de France, je dirais, d'abord, dans un premier temps. On pourrait expliquer un petit peu ce que c'est qu'une bastide, hein, en fait, avec ce qu'il y a à voir, pourquoi ça a été construit, quelle est la forme comme géométrique du village, enfin voilà. Et puis tout ce qu'il y a à voir à l'intérieur, quoi, quand même, il y a plein de choses à... une chose à visiter quand même. On a lu quelque chose dans les brochures et ça nous plaît parce que c'est une ancienne ville avec une belle place, avec c'est une ville fortifiée et on aime bien l'histoire ici. Donc on va juste décaler sous la halle. Alors, est-ce que vous pourriez m'expliquer pourquoi vous aimez Montpazier ? Ben, d'abord, oui, parce que c'est une magnifique cité médiévale, d'une part. C'est une formidable bastide, d'autre part. Et que comparée à certaines bastides des alentours, elle a gardé toute son originalité, à savoir, entre autres, cette halle, qui est d'origine. Que les arcades sont magnifiques. Et puis le cadre, je crois que le cadre est merveilleux et c'est très vivant. On arrive de la Provence, donc on a des villages aussi provençaux chez nous, mais c'est autre chose encore. C'est notre architecture. Oui, tout à fait. Ouais. C'est quoi qui vous plaît? C'est les arches, les arcades, les maisons comme ça, là, tout en pierre. On se croirait dans les petits villages de Santo, de chez nous. Et qu'est-ce que vous pourriez dire pour faire venir quelqu'un à Montpazier? Ah, alors là... C'est magnifique. Que c'est beau, qu'il faut, que c'est à voir. Qu'il faut, oui, voir, voilà, faut dépasser pour venir voir et découvrir. Parce que c'est une ville unique et vraiment authentique aussi. Et très agréable à se promener, à voir quelque chose, pour faire des petits shopping, des choses comme ça. Donc maintenant, on va descendre jusqu'à la porte du paradis. Montpazier, c'est le paradis. Parce que c'est joli. C'est assez vieux. Il y a voilà, les bâtiments. Après, il y a des endroits assez jolis, comme la porte du paradis, le lavoir, etc. Paradis, ben en fait c'est Montpazier. Hein. Puisque vivre dans la bastide, comme je vous disais, procurait de nombreux avantages, donc d'être propriétaire de son terrain. Ils étaient exonérés de certaines taxes, les femmes pouvaient se marier avec qui elles voulaient, sans l'avis du seigneur, et elles étaient aussi considérées comme légales de l'homme, puisqu'elles pouvaient hériter des terres suite à la mort de leur mari, ou tout simplement le seigneur qui pouvait aussi leur donner des terres. Hein. Donc c'est pour cela qu'il y avait des personnes qui cherchaient à rentrer clandestinement dans la bastide, et pour cela en fait il passait donc dans cette ouverture, et puisque la porte franchie, ben, c'était le paradis, hein, d'où le nom de la porte. Il
Après, c'est libre. Là, il n'y a pas beaucoup de voitures. C'est pur. Me gusta mucho porque un relax total, no fácil. Tranquilo, no mucho ruido, todo. Vengo de Paraguay a visitar siempre. Una amiga francesa siempre me trae. Et il y a beaucoup de restaurants, enfin 5, un truc comme ça. Et c'est bon la nourriture à Montpazier ? Oui. Qu'est-ce que tu aimes comme nourriture à Montpazier ? Escalope de veau à la crème. C'est du Périgord ? Cèpes, oui. Enfin, les meilleurs sont du Périgord. Après, il y a les cèpes. Après, les girolles. Voilà, on peut dire ça, les girolles. Ok, très bien. Après, il y a la viande et les fruits cultivés ici. Il y a les rues secondaires, ici par exemple, et les carrés roux qu'on appelle, qui sont des petites ruelles. Donc les rues principales qui étaient destinées aux notables, aux gens riches, et les carrés roux qui étaient destinés aux gens pauvres. Donc là, on va passer par carré roux qui est le plus joli de Montpazier. Eres tan hermosa como el lago. Cueille la lune au kérail, kérnei pazo, cueille la lune d'amour. Encore il n'est pas jour, c'est la lune qui règne. Encore il n'est pas jour, c'est la lune d'amour. D'accord. Est-ce que vous pouvez me la refaire? Parce que les chiens, ils ont aboyé quand vous avez chanté et ça m'a coupé. Parce que j'enregistre en même temps. Ah bon, oui, oui. Ça vous dérange pas. Alors, un cœur n'est pas jour, coille la lune qui règne. Un cœur n'est pas jour, coille la lune d'amour. Alors vous avez envie que les gens ils viennent à Montpazier ? Oui ! Ah oui ! Peut-être au bout d'un moment, je sais pas, on va faiblir ou quoi. Du coup, s'il y a une respiration... Un fil conducteur aussi. Hein ? Le petit chien peut être un fil conducteur. Ouais.